Bon, je vous retrouve. Nous sommes mercredi 30 janvier. Si vous entendez un petit peu un bruit d'eau, je vais baisser un peu. Mais en fait, là, je suis en train de réviser. Alors, ce matin, je suis allée rendre un partiel à l'école, le partiel de 4, 7 et 5, donc les soins palliatifs. Et aujourd'hui, c'est la tempête Gabrielle depuis hier soir, je crois. Mais nous, il a commencé à neiger cette nuit. Et là, sur les routes, ce matin, il y avait un peu de neige. Enfin, surtout près de mon école, parce que c'est moins des routes utilisées, quoi, on va dire. Puis c'est plus en hauteur. Donc cet après-midi, je pense que je vais partir assez tôt, parce que là, il continue de neiger. Mais il y avait des plus petits flocons ici que genre à mon école. Donc voilà, je ne veux pas louper. J'ai deux partiels cet après-midi, deux gros partiels. Donc là, j'étais en pleine révision. Je pense que vous pouvez voir que... il y en a partout. Et j'étais en train de manger ces petites choses, mais je crois qu'ils les font plus sur MyProtein. C'est des graines de... j'allais dire de tournesol, mais non, n'importe quoi. Des graines de courge enrobées au chocolat, voilà. J'ai pris un petit cachet aussi parce que genre j'ai mal à la tête et tout à l'heure je me suis endormie presque sur mes cours. Voilà, je suis fatiguée. Mais bon, là c'est vraiment genre les dernières révisions avant le partiel de cet après-midi. Donc écoutez, on prend sur soi et voilà. Et du coup j'utilise l'application Forest pour me concentrer, pas aller sur mon téléphone. Et vous pouvez mettre ce petit bruit. Du coup là j'avais mis 40 minutes. Enfin j'ai déjà fait 40 minutes, là j'avais remis 40 minutes. Et ouais, bon du coup là je vais tricher un peu mais on ne peut pas mettre pause, hein, voilà. Et là il me dit laissez-moi tranquille, je sais pas si vous allez voir. C'est un peu trop éclairé. Voilà, parce qu'en gros si vous quittez l'application et que vous allez sur autre chose, votre arbre meurt. Voilà, et après ça vous faites une petite forêt avec plein d'arbres et des fois des arbres morts quand vous quittez avant. Mais voilà, bon, sinon j'ai pas mal de boutons en ce moment, c'est un peu la galère. Je sais pas si c'est à cause des partiels mais j'ai l'impression de retrouver ma peau du collège où j'avais plein de boutons sur le front, c'est horrible. Mais bon, on va essayer de pas les toucher. Et là mon copain vient de partir, il va rejoindre un pote. Et voilà, en attendant je révise. Avant cet après-midi, je vous jure que j'ai envie d'accélérer le temps pour que ce soit passé. Je n'en peux plus. Et on a les résultats mi-février, donc ça va, c'est assez rapide pour un coup. Voilà, celui que je sens le moins de partiel, c'est celui de vendredi, celui que j'ai le moins révisé. C'est la matière que j'aime le moins. Donc voilà, là je révise. J'ai trop peur que ça tombe sur un truc que j'ai moins révisé et tout, mais tellement de choses que mon cerveau il arrive pas à tout retenir, surtout quand j'ai mal à la tête, c'est très compliqué de se concentrer et de retenir les choses et surtout de ressortir les choses dans mon cerveau, même quand je parle à des gens et tout. Des fois je perds mes mots en fait, c'est très très chiant. Donc c'est un handicap en plus pour les parcelles, mais bon, les semestres d'avant j'ai quand même réussi mes parcelles malgré ça, donc là j'espère que ça ira aussi. Et voilà, je vais retourner à une petite révision. Je sais pas ce que je vais manger ce midi, mais ce qui est sûr c'est que du coup je vais manger assez tôt pour partir tôt au cas où, parce que si jamais, imaginons, je peux pas monter la côte, il faut que je monte à pied. Parce que je n'ai pas de pneus neige, donc là ce matin ça allait, le parking était très enneigé, j'ai pas glissé et tout, j'ai roulé tout doux, sans trop freiner, en allant doucement. Là ça a l'air de se calmer un petit peu niveau neige, donc écoutez, ce serait pas mal parce que voilà, il y a des IFSI où ils ont genre annulé, ou enfin reporté plutôt leur partiel, mais nous ça se fera pas, là tous les profs étaient là ce matin. Et il reste la journée, voilà, moi je suis rentrée chez moi là pour réviser et pour manger. Ça aurait été bien que le rendu d'ailleurs soit genre à 13h avant le partiel, ça aurait été cool. Mais bon, on ne choisit pas tout dans la vie. Et voilà, je continue à réviser, arrêtez de vous parler. Et je vous retrouverai plus tard. Et du coup cet après-midi, vu qu'en fait on a deux partiels, mais on les a dans la même partie, donc ça fait 3h d'un coup. Ça va être chaud sans pause, surtout que moi je bois beaucoup, donc... Généralement en 3h j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais bon, on espère que ça ira. Et du coup ouais, c'est 1h30 par truc. Mais du coup c'est tout regroupé.
Bon, j'étais en train de réviser et là, je regarde dans mon sac. J'avais pris une calculatrice parce qu'on en aura besoin et impossible de la retrouver. Je suis sûre à 100% de l'avoir mis dans mon sac. Donc je ne sais pas si elle a pu par exemple tomber dans ma voiture, ce qui est possible, ou si elle est ailleurs. Mais si j'en ai pas, il faut que je file en acheter une parce qu'il m'en faut absolument une. Mais elle a disparu. C'est quoi ce truc? Et j'ai pas très faim donc. Là, il va être midi. Je vais re-bien fouiller tout et je vous reprends. Bon, eh bien, introuvable. Là, il neige plus, donc je pense que ça devrait aller sur les routes. Mais du coup, il est midi et je pense que je vais partir aller en acheter une. Si elle est dans ma voiture, bah, tant pis. Je serai un peu tôt à l'école. Mais voilà quoi. Je vais manger vite fait un petit truc. Je pense que il me reste de la mozza, donc je vais manger tomate mozza. Ce sera vite fait, ça ira très bien. Et voilà le repas de rêve. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment, genre là, j'ai déjà plus faim, donc je vais mettre ça dans le frigo. Bon, je vais y aller, j'ai sorti les baskets. Ces sont des trucs, on dirait qu'on peut pas trop glisser sous la neige. Parce que mes bottes, le problème c'est que ce matin, mes pieds ont pris l'eau. Parce que je pense que mes bottes sont un peu vieilles. Ça fait genre peut-être 3 ans que je les ai. Et du coup, genre la semelle, elle est plus très étanche, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai mis des bottes pour éviter d'être trempée. Il est midi 18, donc dans 1 heure, faut que je sois à l'école. Un peu moins d'1 heure, donc je suis bien. Et ça se trouve, je vais retrouver ma calculatrice dans la voiture et puis j'aurai besoin de rien acheter, mais bon, au cas où. Bon, mais qui voilà dans la voiture que j'ai retrouvée? Bon, bah voilà, j'étais presque sûre parce que bon, ça pouvait quand même pas disparaître comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je réviserai sûrement peut-être. J'allais dire à l'IFSI, mais je pense que je vais plutôt rester dans ma voiture parce que quand même quand t'arrives à l'école, c'est qu'il y a tout le monde qui parle et t'arrives pas à te concentrer. Voilà. Bon, sinon la neige n'a pas du tout tenu et encore moins sur les routes. Il y a vite fait sur de l'herbe, mais sinon les routes c'est nickel. Donc voilà. Bon, bah du coup il est midi 30 et je suis déjà arrivée à l'école. C'était tout déneigé partout, même le parking ils ont déneigé. Pas les places puisqu'il y a des gens dessus, mais tout autour. Voilà. Vivement 16h30, moi je vous le dis. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais il est en train de reneiger un petit peu là. Genre vraiment des mini flocons, je pense que vous les verrez même pas. Voilà le genre de truc que j'ai fait tout à l'heure et hier soir. C'est hyper moche, c'est hyper mal écrit parce que j'écris vite. Mais ça me permet en gros d'avoir, par exemple là il y a tous les cancers, d'avoir tout sur la même feuille et un peu de les comparer et d'éviter de me mélanger les choses. Et là pareil pour toutes les maladies au niveau hémato. Donc voilà, c'est très moche mais c'est ce genre de fiche que j'aimerais bien vous faire en version propre. Là j'ai pas fait en version propre parce que je voulais pas perdre de temps. Mon but c'était d'apprendre et pas que ce soit joli quoi. Mais voilà. Et là, c'est mon écriture quand j'ai pas le temps. Bon, ça y est. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis sortie bien en avance puisqu'il est 15h14. Gagnez vos places pour les plus. On avait jusqu'à 16h40 du coup, mais au bout d'1 heure, genre moi j'avais fini vraiment, j'ai répondu assez vite aux questions. On verra bien, il n'y a qu'une question où j'hésitais, puis le calcul de dose, il y a un truc, je suis pas sûre, mais voilà. Ça s'est relativement bien passé, il me reste un partiel vendredi. Mais là, comme j'ai fini plus tôt, je vais rejoindre mon copain et des potes pour venir me chercher à la maison. Puis on va sûrement bouger faire un truc parce que là j'ai besoin de me vider la tête. Je peux pas me remettre direct dans mes révisions du partiel d'après. Je ferai ça ce soir, voilà, parce que là, j'ai besoin de faire un peu autre chose. Bon, mais voilà, on est rentré de notre petite chasse Pokémon. Et il est 17h55, j'ai mangé mon goûter tout à l'heure et là je vais commencer à réviser. Mon copain et un pote, du coup, ils vont voir un concert ce soir. Il m'avait dit de venir, mais bon, il faut vraiment que je révise pour mon partiel de vendredi. Du coup, voilà. Non, mais ma peau en ce moment, c'est vraiment nimble. Je crois que je vais aller me refaire un masque. J'en ai trop marre. Et je crois que les batteries de mon appareil photo, elles disent quasiment plus. Elles sont vides tout le temps. Il m'en manque une que je sais pas où elle est. Bref. Du coup, là, je révise des processus psychopathologiques. Je vais vous montrer mes petites fiches. Parce que c'est un peu plus. Voilà, elles sont un peu plus au propre que ceux de l'autre coup.
Et voilà, je vais essayer de réviser avec ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Genre, je crois qu'on appelle ça des flashcards. Du coup, nous avons les psychoses, nous avons la schizophrénie, nous avons les addictions. Il y en a une qui est partie. Nous avons les addictions avec substance. Et nous avons les addictions, l'alcoolodépendance. Et toutes mes feuilles sont parties, très bien. Bien sûr, il n'y a pas que ça comme cours, hein. Je pense que vous vous en doutez. Et on a encore un cours, même deux cours demain matin. On est un peu la veille du partiel, je ne sais pas si ça tombera dessus, mais voilà. Hein. Donc là, je... Ah non, il fallait que je fasse un autre truc aussi. Parce que je vous avais fait des petits quiz, sondages là sur mon Insta, et du coup, il faut que je vous donne les réponses aussi. Et il y en a qui m'ont dit qu'en ce moment dans mes vlogs il se passait pas grand chose, en même temps c'est un peu révision, révision quoi. C'est pour ça que je vous vlog pas tous les jours. Prenez pas peur, je viens de faire une petite pause masque et je vous en avais déjà parlé, c'est le Glam Glow en collaboration avec My Little Pony. D'ailleurs on a bientôt pu à l'intérieur. Et ce qui est bien c'est que c'est un masque, j'aurais dû l'enlever comme ça, c'est nickel. Et je vais retourner à mes révisions. Bon, je suis désolée si j'ai une sale tête, si je suis un échec ce moment de révision. J'ai trop trop mal à la tête. Du coup, genre, j'ai essayé de dormir à moitié et là, du coup, je viens de me commander à manger. Je voulais pas me commander à manger, mais je vous assure que là, c'est. Genre, je voulais même aller me laver les cheveux, mais je crois que c'est mort. Du coup, j'avais trop envie de pâte au saumon, donc j'ai commandé pâte au saumon, tout simplement. Dans un truc que j'ai jamais commandé, je crois. Des pâtes au saumon, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Des pâtes carbo, pardon. Ça sent super bon. Parce que je connais un autre resto qui fait des pâtes carbo, mais genre ils mettent des champignons et tout. Je trouve que ça fait pas vrai carbo. Et là, ça sent bon, ça a l'air pas mal. J'espère que c'est bon. Et j'ai craqué pour un petit dessert. J'ai pris un petit cœur fondant au chocolat. Je l'ai croqué. J'ai enlevé mon masque bien sûr parce que l'erreur sinon elle allait dire mais qu'est-ce qu'elle fout. Mais là vraiment genre j'ai des boutons. Ah non là c'est pas un bouton, c'est un bout de masque. Parce que j'avoue je me suis pas regardée dans le miroir donc peut-être qu'il me reste encore des bouts de masque. Bref, j'ai mangé ça devant la télé et voilà. Il fallait vraiment que je révise intensivement mais là j'ai tellement la tête. Puis j'ai déjà pris deux médocs aujourd'hui donc je voulais pas en reprendre un quoi. Bon, je vous retrouve, ça va un petit peu mieux ma tête, mais je suis encore très fatiguée. Je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait une petite natte là pour la nuit. Et voilà, là, je regardais une émission sur les heures médicales. C'est un truc sur YouTube. Hein. Ça commence aujourd'hui, c'est le genre d'émission que je regarde souvent le soir avant de m'endormir. Mes boutons. Toujours pas ça. Pourtant, ils vont pas disparaître en 30 minutes. Du coup, je vais essayer de relire un peu mes fiches une fois que l'émission sera finie, c'est bientôt fini. Et ensuite, dodo. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce vlog, ça aurait été pas foufou. Mais voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard.